c'est une sensation incroyable parce que c'est un privilège. Profiter de quelque chose que personne ne peut faire sur la nouvelle route du littoral en plus, qui est un viaduc assez important. C'est quelque chose, ça, c'est même presque un rêve parce que c'est vraiment génial. On pourra dire qu'on a fait quelque chose que personne n'aura fait, et je pense que plus tard on s'en souviendra quand on passera ici sur la route du littoral. On saura qu'on a joué là-dessus et qu'on aura profité d'un moment extraordinaire. Ce monument, il est incroyable, je veux dire, on va en parler mondialement, et que la moindre des choses, c'est que c'est tous ces enfants qui viennent de 30 régions différentes puissent en parler à leur retour en disant on a vu cette route incroyable. Et je crois que c'est la seule route qui est comme ça en France, je crois. Hier, ils ont visité donc la ferme de tortues, Stella, ils ont beaucoup apprécié, Yannick était là, il a adoré. Et puis aujourd'hui, donc la route, demain on va, j'espère qu'on va pouvoir aller en mer, hein, j'aimerais que ces enfants ils profitent de la mer. Ils habitent tous dans des banlieues, bon tu peux imaginer, hein, je veux dire là, hier je les voyais, ils prenaient en photo la mer sous la pluie, bon là aujourd'hui il fait beau, c'est génial. Voilà, c'est une aventure extraordinaire. Nous, c'était un rêve. On le fait avec Sergio, avec Giovanni, avec Nicolas. C'est super. On est heureux. Ben oui, j'ai bien aimé. Il faut dire, bon, ben, c'est une route de la Réunion. Ben, faire plaisir les gamins de l'extérieur et même nos gamins. Ben, voilà, bon, on peut faire que ça de mieux. Voilà, c'est des petites choses qui changent un peu de ce milieu aussi, le côté sportif, le côté compétition. Comme Jérôme avait bien souligné, c'est vraiment un petit peu plus les visites, voir un petit peu la Réunion autrement.